de la nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera le journal d'Ellie du mois de septembre. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc le cours du samedi 3 septembre, donc c'était la reprise du cours, enfin ça avait été repris le 31, mais voilà, c'était le premier cours de samedi après une semaine de congé. Donc j'ai monté Fadir en dressage, donc c'était la deuxième fois que je le montais. Donc on a fait du pas, du trot, je pense un peu trop assis. Je sais plus si on a fait des épaules en dents ou pas. Alors on a fait du galop individuel, donc enfin, en gros, explication de l'exercice, individuellement on devait mettre les chevaux au trot. Si on sentait bien que le cheval n'allait pas partir au galop comme un pété, on le mettait au galop, sinon on restait au trot pour vraiment les pousser pour que ce soit nous qui les mettons vraiment au galop et qu'eux ils partent pas comme des pétés. Donc moi le premier galop, je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait il est parti de lui-même au galop et il a fait je sais plus trop quoi, et donc je l'ai remis au trot. Puis la deuxième fois, donc ma monitrice m'a dit c'est bon, il va partir au galop, tu peux le mettre au galop, mais j'avais un peu chipoté. Et à l'autre main, les deux autres galops, il me semble que ça a été, il a bien galopé et je l'ai bien réussi à l'avoir. Je trouve que je l'ai beaucoup mieux, enfin je l'ai eu beaucoup mieux et que j'étais beaucoup moins crispée. Enfin, moi, à chaque fois que je monte un cheval que je n'ai jamais monté, je suis fort crispée. Ou quand c'est un cheval que je n'ai pas monté dans cette discipline, quoi, je suis assez crispée. Et donc là, j'ai senti que j'étais beaucoup plus détendue. Donc j'ai beaucoup moins galéré et subi plutôt la séance. Ensuite, du 5. au 7 septembre, donc j'ai eu un séjour à la mer avec deux amis à moi. Voilà, on a fait. On a été à la mer, c'était cool. Le cours du 10 septembre, j'ai monté bambou en saune. On a fait donc détendre pas trop galop ensemble demain, puis la détendre à obstacle, donc croix au trot, croix au galop, vertical et auxerre. Donc il faut savoir que l'obstacle de la détente était beaucoup plus avancé vers le A. Donc normalement on le met en B, donc vraiment au milieu. Enfin voilà, on le met en B. Sauf que là il était beaucoup plus avancé parce que c'est nous qui avons un peu mis les obstacles en mode ouais on va faire ça un peu plus ou moins comme parcours, enfin bref. Enfin, voilà. Et donc on avait beaucoup plus avancé. Et on avait moins de foulée entre, il fallait beaucoup mieux le prendre, enfin bref. Ensuite on a fait un parcours, donc le parcours le parcours quel était le parcours? Le parcours donc c'était réfléchis. Donc il y en avait un qu'on prenait un peu genre en diagonale. Le deuxième aussi. Puis on avait un l'auxerre. Et je pense qu'on avait encore on avait l'auxerre de la détente. Bon oui, on faisait ça. Puis je pense qu'il y avait un vertical comme ça pour dans diagonale, je pense. Puis on reprenait l'auxerre et puis on avait de nouveau un vertical en E, et donc là nous avait demandé de tourner beaucoup plus court, ben beaucoup coupé, de pas aller dans la piste, il me semble que c'est ça comme parcours. J'ai eu pour le premier parcours un seul refus sur le premier. Explication du refus, j'arrive, donc déjà il faut que je le mette bien en galop, donc j'arrive pour aller sur cet obstacle là, mais j'étais vers le A, donc je pense que Bambou a cru il fallait que je passe l'obstacle de la détente, c'est-à-dire l'auxerre, parce que je tournais derrière l'auxerre, enfin l'auxerre était là et j'allais par là. Et donc je pense qu'il a cru qu'on allait un peu dessus parce qu'on était dans ces horizons là, et donc il a voulu un peu aller dessus, mais moi j'ai fait non, enfin voilà, j'ai un peu de carte marienne, j'ai mis ma jambe gauche, enfin voilà, j'ai fait non, tu vas pas là en fait, c'est pas là où il faut aller. Et après donc j'ai été sur celui qu'on devait faire, donc j'ai continué ma trajectoire, voilà, donc l'auxerre est là, donc j'ai essayé qu'il n'aille pas là.
continuer ma trajectoire, sauf que je pense que mon action de main ou quoi a fait que, et notre incompréhension entre nous deux, a fait qu'il n'a pas sauté le 1. Je reviens une deuxième fois, à ce moment-là il a sauté, et puis après le parcours je pense que ça a été, il fallait que je pète ton avant, enfin, bambou quoi. Par contre on a refait une deuxième fois le parcours, et là, il m'a refait de nouveau le refus, mais il m'en a fait deux à la suite, enfin il m'en a fait un, je suis revenue, il m'en a fait de nouveau un, donc en fait il fallait vraiment que je bloque tout à droite, parce que c'est à chaque fois à droite qu'il allait, puis ça allait. Donc voilà. Ensuite, le lendemain, donc le 11 septembre, il y avait le salon du temps libre dans ma ville où je suis. Et donc l'écurie a été pour voilà, montrer pour avoir des gens qui viennent à l'écurie. Et donc on a été avec quelques chevaux de l'écurie faire des balades à poney aux enfants. Enfin aux gens, il y avait même quelques adultes qui ont monté. Donc on est parti avec Noblesse, Kaline, Silky, Noblesse, Kaline, Silky, Lucky, les trois poneys, donc Polly, Chippy et Boo, donc 7. Je pense que c'est tout, si je dis pas de bêtises. On a fait des tours et moi en fait j'avais deux représentations avec mon cours de danse. Donc j'ai fait tenir des poneys et j'ai dansé. Ce jour-là. Ensuite, le 14 septembre, donc je suis rentrée, donc j'ai fait enfin ma rentrée. Hein. Donc voilà, donc là on est actuellement le jour où je filme cette vidéo, le 8 octobre. Alors vous regardez cette vidéo, on sera le 9 octobre, donc là on est bien rentrée. Donc là on a des préparations pour les journées d'essai, même pour bientôt le stage et tout. Donc on est vraiment dedans. On a eu une petite semaine où on n'avait pas grand chose à faire, et puis maintenant c'est parti. Donc voilà. Ensuite le cours du 17 septembre, donc la veille du concours où il drachait, enfin clairement, enfin pas le concours mais ce samedi là il drachait de pas possible. En fait parfois il pleuvait plus et tout d'un coup il drachait, donc on a monté sous la tente en sachant que la tente était beaucoup plus petite parce qu'il y avait déjà des choses prévues pour le concours du lendemain. Donc on a, je pense qu'il y avait peut-être un mètre, un ou deux mètres enlevé ou 1m50 enlevé, je sais pas, bon, voilà. Donc j'ai monté Bambou en dressage, je pensais que j'allais avoir Noblesse puisque je l'avais au concours de dressage, mais j'ai eu Bambou, bref. Clairement la piste était dégueulasse, enfin, on a été un peu dehors pour faire une session, enfin deux sessions, mais sinon pas plus parce que vraiment, enfin, on est sorti déjà quand il pleuvait plus, même pendant le cours parfois ça pleuvait tellement fort qu'en toute attente on n'entendait presque rien. Voilà, donc j'avoue que j'étais là, mon dieu, mais il y avait une flaque énorme près du, enfin entre le E et le C, il y avait une flaque plus ou moins, enfin il y avait, ouais voilà. Donc je me suis dit, mais le concours, comment ça va se passer? Parce que le lendemain en fait on était en concours à l'écurie, donc voilà. Bref, donc pour le cours, donc on a fait des trois rassemblés, trois longées, je pense qu'on a fait des épaules en dos aussi, je ne suis plus sûre, mais je porte bien de toute façon. Du galop ensemble, enfin, on a fait deux groupes parce que quand on est sous la tente, ben, il faut, on ne sait pas galoper tous ensemble. Enfin, après on a fait un galop ensemble, c'est vrai, mais voilà, pour pas foutre le bordel. Ensuite on a fait un exercice des transitions entre intra-allure, donc voilà, trop rassemblé. En trop plus allongé, hein, trop de travail, et entre les allures, donc pas trop arrêt. Et on a inclus après le galop à la fin, donc on a galopé ensemble. Voilà, et il faut savoir que c'était pas trop allongé et puis trop, c'était des numéros, enfin des chiffres. Donc clairement, il fallait concentrer et retenir quel chiffre appartenait à quel, par exemple, 3, je pense, c'était l'arrêt, enfin je sais plus. Je sais plus c'était quoi les numéros, voilà, il fallait retenir quel chiffre correspondait à quelle allure, voilà, et il fallait être réactif. Et ensuite, avant ça, on avait, il me semble, fait un exercice de pas galop, voilà. Moi j'ai un peu galéré, c'est vrai que les bambous, je galère un peu à le foutre, faire du pas et puis directement aller au galop, mais voilà. Ensuite donc le concours du 17 septembre, j'ai oublié de prendre ma feuille, je la prends tout de suite.
que j'en ai pas parlé en fait dans la vidéo, je me suis dit je vais la laisser brute comme ça. Le concours de dressage, moi je commençais, ma descente était à 8h45, donc je montais vers 9h et quelques. Donc j'ai eu noblesse, donc c'était ligne 5, donc première fois que je la déroulais cette reprise. Parce que là, au dernier concours de l'année passée c'était ligne 4, donc j'ai eu pile 50%. Alors, c'est les points, vous allez me dire, mon jeu c'est... Enfin c'est dur, après il fallait faire un classement, c'est pas un concours officiel, il fallait quand même faire un classement et tout, c'était pour s'amuser. Ouais. Donc pour entrer au pas moyen, X arrêt salut et XC pas moyen, j'ai eu 5, donc c'était bas, donc ça n'allait pas droit. Ensuite, C piste à main droite, B, F, K, taux de travail enlevé, donc j'ai eu 5, donc tout est sur 5. Hein. Ensuite, KX, MC, changer de main au trop de travail enlevé, j'ai eu un 6. CX, demi-cercle au trop de travail enlevé, j'ai eu un 6. XA, demi-cercle au trop de travail assis, j'ai eu un 5. Et j'ai coupé, donc c'est vrai que ça, dans la vidéo ça se voit que c'est un peu bizarre. Et même moi à cheval, je me suis dit, là, t'as fait un peu de la merde. Et comme je me dis, c'était la première fois que je la déroulais vraiment, je connaissais la reprise. Donc quelqu'un me l'a résisté pour être sûr, mais je la connaissais. Mais vraiment, c'était la première fois que je le faisais avec Noblesse, que c'est pas la jument de dressage la plus vraiment en main, enfin qu'on arrive à me le mettre en main. Donc j'étais un peu perdue, mais bref, oui je me suis amusée. Ensuite, au milieu du petit côté, départ au galop de travail à droite, donc dans la transition qui était notée, donc j'ai eu 5, donc un peu trop tard. A, X, A, cercle de 20 mètres, 5, donc j'ai eu 5, donc les départs ronds. Au milieu de petit côté, trop de travail, donc c'était la transition qui était notée, j'ai eu 5. A, K, H, C, continuer la piste, donc j'ai eu 6. Au milieu de petit côté, par moyen, donc c'était la transition qui était notée et j'ai eu 6. Trop tard, donc ça se voit, en fait elle a commencé, je pense à ce moment-là. Non, à ce moment-là ça allait. Mais c'est vrai qu'elle était en fait à la détente, elle était normale, enfin elle était pas trop molle, mais ça allait pas trop vite, donc ça allait. Mais dès qu'elle est rentrée sur la piste, alors déjà elle voulait faire pipi, donc déjà j'ai dû attendre qu'elle se daigne à faire pipi. Et après, mais je sentais vraiment dans mes reins qu'elle avançait, qu'à tout moment elle trottait alors qu'il fallait pas. Bref. CM, X, laisser glisser les rênes et laisser l'encolure s'étendre sans perdre le contact. Donc c'était, j'ai eu 5, donc c'était x2. Et donc c'était pas assez marqué, c'est vrai que j'aurais pu un peu plus laisser. C'est pas mon fort de faire ça, voilà. Avant X, reprendre les rênes, XK, pas moyen, donc j'ai eu 6. KA, trop de travail, j'ai eu 5, donc c'était un peu trop tard. Au milieu de petit côté, départ au galop, de travail à gauche, donc ce qui était noté c'est la transition, donc j'ai eu 5. AXA cercle, donc j'ai eu 6 il me semble. Ensuite au milieu du petit côté, trou de travail, donc dans la transition, j'ai eu 6. FXH allongé et foulé, minimum de 20 mètres et revenir ensuite au trou de travail, donc j'ai eu 5. Alors il n'y a pas mis de commentaire, mais il faut savoir que là, je ne sais même pas comment ça se fait que j'ai eu 6. Parce que je trouvais que c'était pas... Je suis arrivée fort tard, enfin j'ai fait ma transition un peu plus tard qu'au milieu du pied côté. Puis je suis arrivée, j'ai fait ma diagonale et il fallait que j'allonge et je sentais qu'elle voulait repartir au galop, donc j'ai eu 2 ou 3 foulées au galop. Ça m'a énervé, je me dis mon Dieu, ça me saoule, ça va me faire perdre des points, enfin bref. C'est arrêt, donc transition progressive, et donc là j'ai eu, ouais il me semble, trop tard. Trop dans les mains et trop rapide, donc je pense que j'ai fait un arrêt et j'ai pas assez attendu le temps et j'étais trop, mais ça se voit dans la vidéo, je suis en mode ah, parce qu'en fait elle trottait, donc c'était après l'allongement des foulées, il fallait reprendre un trop de travail et puis s'arrêter en C, et donc en fait je perdais un peu les moyens, j'étais là, il fallait que je la reprenne. CM, FA, trop de travail, donc j'ai eu un 6, et A, doublé, XR et salut, j'ai eu 5. Pour les notes d'ensemble, j'ai eu pureté, aisance et régularité des allures, donc j'ai eu 5. Impulsion, des heures de pain, voilà, se portant en avant, etc., j'ai eu 5. Soumission et perméabilité du cheval, j'ai eu 4. Et position à 7 et action du cavalier, correction des aides, j'ai eu 4.
parce que je laissais pas les mêmes mains tranquilles, donc les mini laissaient tes mains tranquilles et je vais être moins Playmobil, mais ça je sais bien. Donc en tout c'était 75 sur 270 et donc j'ai eu 50%. Voilà, donc ça c'est pour le dressage, mais après j'ai un peu regardé et tout, en sachant que à un moment donné j'ai eu beaucoup de... Il y avait eu un moment donné un peu beaucoup de retard, genre une heure, et on, de base c'était, enfin tout finissait à 20h10, un truc comme ça, je sais plus quelle heure. Donc j'ai dit mon dieu, on va finir à 22h le truc. Ensuite donc le saut, donc finalement donc on avait un peu de retard à ce moment là, on avait peut-être encore une demi-heure, mais on avait bien rattrapé le retard parce que je vous assure on n'a pas fait de pause, donc on a essayé de rabouter les minutes et on a enchaîné les croix et barres au sol et 30-40, on avait vraiment enchaîné parce que bon, avec les tiges il fallait vraiment que ça avance et tout, et ça a été assez vite. Et donc j'ai eu bambou et ça s'est bien passé, enfin en soit la détente s'est bien passée, voilà donc détente classique. Donc toujours voilà, je sais qu'en concours il faut que je garde vraiment rien tendu parce que à tout moment il trace et trace et trace. J'étais essoufflée aussi, j'avais la gorge hyper sèche parce qu'en fait on nous avait dépêché, enfin en fait on nous avait dit à telle heure à cheval, donc je me dis c'est bon j'ai le temps, donc j'ai plus ou moins commencé à sceller, enfin ou j'avais déjà un tout petit peu sellé, enfin voilà. Et puis on nous a dit à cheval maintenant. Il faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient même pas encore prêts du tout, enfin moi j'étais plus prêt que certaines personnes, donc j'ai dû speeder pour faire donc la reco et que les gens au milieu au paddock tiennent les chevaux. Finalement l'arco c'est fait quand même assez vite. En plus moi c'est mon énième 50-60, je sais comment ça fonctionne. Il y en avait qui n'avaient jamais été en concours, donc c'était normal, ils comprenaient rien avec le barrage. Moi ça fait quand même, c'est mon deuxième concours avec Bonbon en 50-60 à l'écurie. Et troisième 50-60. Ouais je pense 3, non 4ème 50-60, je sais plus. Donc je sais comment ça fonctionne. Et donc c'est vrai que j'étais essoufflée, donc j'ai demandé à ma mère de boire un coup avant mon parcours, sinon je me dis je vais mourir dans mon parcours. Donc quand vous avez vu le début ça va, puis j'arrive sur le 3 refus, il faut savoir que bambou, j'ai remarqué ça le cours d'après, je vais vous le dire après. Il peut avancer mais dès qu'il commence à s'approcher sur l'obstacle il ralentit et ça se voit fort en fait sur la vidéo, c'est vrai que bon, voilà. Ça se voit fort sur la vidéo. Bref, donc pas classé du coup parce que j'ai pas pu faire le barrage. Mais c'était quand même une belle journée. Ensuite, le cours du 24. Donc j'ai monté bambou en saut. Donc on a fait de nouveau la détente, pas trop galop ensemble. Les détentes en obstacle, donc croix au galop. Vertical et auxerre. Il faut savoir que sur l'auxerre j'ai failli me casser la gueule parce qu'il s'est arrêté. Voilà. Vraiment, il faut vraiment que je le foute en avant et que tout le temps dans mes fesses parce que sinon c'est pas possible. Il avance pas, il faut tout le temps le pousser. Donc il a été sympa parce que il a pas baissé sa tête. Mais c'est vrai que j'étais un peu déséquilibrée, donc il y a même quelqu'un qui m'a remis à cheval parce que je me dis je veux pas tomber en plus la piste, c'est un peu dégueu. Et donc là on a fait un parcours avec une ligne brisée, donc on a posé ça. Donc j'ai eu encore quelques refus aussi, mais ça va, hein, voilà. Bref, voilà, ce journal d'été est fini. Voilà, il était long, mais il y a eu une explication aussi du concours, comme je ne l'ai pas fait dans la vidéo du concours. Donc voilà, bref. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.